Bonsoir, je suis M. Avancetien Martin, directeur de l'école catholique Saint-François-Xavier de Porto-Novo dans la circonscription scolaire de Porto-Novo à Ganla. Je m'entretiens avec vous maintenant pour que nous révisions la réalisation de la carte du Bénin. Nous sommes en ES géographie. Prends ton cahier, ton crayon. Ouvre une page libre. Observe bien les carreaux de ton cahier. Observe aussi la production qu'il y a au tableau. C'est le quadrillage qui correspond, quand nous allons commencer, tu verras bien, aux carreaux qui sont représentés aussi dans ton cahier. Alors, nous allons numéroter. Le sens vertical, nous allons mettre les nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dans le sens horizontal, nous allons numéroter en laissant une marge de carreaux. Nous allons utiliser les lettres de l'alphabet de A à K. On y va. Au fur et à mesure, tu fais avec moi. B, C, D, E, F, G, H, I, J, E, K. C'est bon? Alors, on continue. Tu prends ton crayon et nous allons marquer des points. Avant d'en arriver là, nous allons former des couples. Alors, c'est déjà vu dans les classes antérieures comment on forme les couples. Néanmoins, tu suis et nous allons aller ensemble. Nous allons prendre le premier couple qui est 0. G. 0. G. Zéro G, nous marquons le point. Nous allons partir de 0 G pour venir marquer le point du couple 1 F. 1, F. 1, F. De 1, F, on va à 2, F. De DF, on va à 3E. 3E. De 3E, on va à 3D. 3 et D. De 3D, nous sommes à
ocupe la 6A. 6 et puis A. De 6A, on va au couple 8C. 8C. 8 là, et puis C. Du couple 8C, nous allons à 9C. 9C. De 9C, on va à 11D. Allez, tu suis avec moi. Je peux continuer? Oui. Alors, nous quittons 9C maintenant pour aller à 11D. 11D. Alors, tu as marqué. Dis-moi, nous sommes à 11D. Nous allons progresser maintenant pour aller à un autre couple. Dis-moi, quel couple on peut former avec 18 D. Et tu viens montrer. Bon, reste. Tu marques et j'ai bien contrôlé. 18 D. C'est ça que tu as fait? Ah oui. C'est bien. 18C. C'est là. De 18C, nous allons à 20D. Tu as fait? Bien. De 20D, on va à 20G. Alors, c'est G ici, non? Alors, je prolonge et je viens là. On a dit 20G. 20G. Oui. Voilà. Nous avons fini avec la gauche. Nous passons maintenant à la droite. Nous allons toujours partir de notre couple 0G. En quittant 0G, nous venons à 2J. Ici, c'est J. Nous allons repérer 2 et ça fait 2J. De J, on va à 3, au nombre 3, et le milieu des points IJ. Nous allons partir du couple 3, milieu des points IJ. Alors, 3, le point IJ, là c'est I. J. Leur milieu, c'est ici. Donc, 3 milieu, point IJ. Milieu, point IJ, nous allons à 5K. 5. Le K, ça vient là. 5K. C'est K, on va à 7K.
Nous sommes à 7K. De 7K, on va à 7J. Alors J, 7. Nous sommes là. De 7J, on va à 8J. 8 et J. Oui, J, nous sommes à 10 I. 10. Le I, c'est là. 10 I. D-I, on vient à 11 I. 11 I. 11. Et puis, I. Le 11 I, on vient à 11 H. 11. Et puis, H. 11 H, on vient à 18 H. 18. H. Alors de 18H maintenant, nous venons à 20G. 20G, c'est déjà là marqué. Nous avons placé les points. Nous allons joindre alors les points. Nous commençons toujours par la gauche. Nous partons du point OG. Tu suis, hein? Tu fais en même temps que moi. C'est bon? Allez. L'autre trait. Suivant. C'est bon. C'est bon ce que tu fais? Si tu fais comme je fais, nous examinerons les résultats ensemble. Je ne te trompe pas, hein? Allez. Puisque nous avions terminé par ici, au couple OG, alors nous faisons la même chose. Et nous venons maintenant de l'autre côté. On trace. Tu suis, ça va? Bien. Voilà, je continue de joindre les points selon que nous les avons placés. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et déjà, tu vois ce que ça donne, non?
Voilà. Et puis, enfin, c'est quoi? La carte du Bénin. Voilà, ainsi réalisé notre carte du Bénin. Alors, la leçon précédente, vous avez vu les limites du Bénin. Alors, tu vas m'aider à placer les limites. Il y a les limites naturelles et il y a les pays limitrophes. On va commencer par les limites naturelles. Alors, dis-moi, il y a le fleuve Niger. Là, au nord, et puis au sud, nous avons, oui, l'océan Atlantique. Maintenant, pays limitrophe. À gauche, c'est quel pays que nous avons à notre gauche? On appelle le Nigeria. Le Nigeria est à l'est. À l'ouest, le Togo. Au nord-ouest, le Burkina Faso. Voilà, ainsi réalisé notre carte. Quand on traverse le fleuve Niger, on a le Niger. Donc le Niger aussi est voisin à notre pays au nord. Alors je vais écrire ici, fleuve Niger. Et là, océan Atlantique. Voilà, réalisé notre carte du Bénin. Alors, montre-moi ce que tu as fait. Oui, tu as fait aussi une belle réalisation. Alors, la suite serait quoi? De t'entraîner ou mieux te reproduire seul, surtout un entraînement pour avoir la maîtrise de la reproduction main levée. Alors, nous sommes à la fin de notre apprentissage. À bientôt.